20e saison de la prescription a démarré. Ce début d'après-midi se présente sur les meilleures fortunes avec nos amis industriels. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là. D'abord parce que Serge sait nous accueillir. En tant que local, c'est un super président. Et puis le GIP est présent aussi depuis maintenant quelques années. Nous avons un village avec beaucoup d'industriels qui sont présents. C'est un véritable plaisir de participer à ce congrès. Qu'est-ce qui se passe sur ce beau salon? Les industriels viennent compléter l'information de nos chers amis de l'économie de la construction. Et on entretient et on continue de développer nos relations d'amitié et d'efficacité professionnelle. Je vais présenter Bernard Collos, de la direction de l'économie à la FFB, qui a participé à l'animation d'un groupe de travail mandaté par le Conseil supérieur de la construction. AGC est une équipe de prescription qui a l'habitude de visiter les économistes de la construction. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Ils sont là pour les aider dans le choix de leur vitrage, leur donner toutes les informations techniques sur les possibilités au niveau du matériau verrier. Si j'ai l'habitude de dire que l'architecte est le lanceur de traits et que l'économiste est le coucheur de traits. Nous sommes les partenaires de ces gens qui nous font confiance et à qui nous faisons confiance. Pour nous, c'est très important que les économistes de la construction parlent de nos produits et amènent nos produits chez les architectes et chez les bâtisseurs. Bonjour à tous. J'accueille Maître Xavier Piquant. La dématérialisation, c'est beaucoup de sujets qui se ramènent après sur un seul, c'est l'aspect juridique. Comment on gère tout ça juridiquement ? La mission, elle avait deux objectifs. C'était d'essayer de vérifier dans quelle mesure le numérique a un impact dans les deux phases principales de la construction immobilière. Dans la phase amont, la maquette numérique, le BIM management, la responsabilité des acteurs entre eux, comment ils travaillent, comment ils vont mieux travailler demain avec des outils de maquette numérique. Et la phase aval, on a créé ce qu'on appelle une smart city et comment on fait pour gérer finalement la rénovation et l'évolution de cette smart city. Et on rentrera, vous verrez, dans des sujets d'open data, de big data, de valorisation de données. Voilà votre santé. Alors. Avec plaisir. Et merci de votre accueil. Messieurs, servez-vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, on est fabricants de tout système coulissant pour les portes, les portails, les volets coulissants, des produits qui sont bien à la mode à l'heure actuelle. Bonjour, merci d'être là. Donc, vous devrez pouvoir le tenir parce que le produit a été conçu de telle sorte que les coûts de fabrication, de mise en œuvre, sont le moins cher possible. Ce sont eux les grands donneurs d'ordre. Hein. Nous, on est des prescripteurs. Plus d'argent grâce au gouvernement. Mesdames, messieurs, chers amis, vous imaginez le plaisir et la joie que j'ai de vous accueillir, monsieur le président, vous et votre salon ici à Mâcon. Et puis, pour nous aussi, un honneur que de vous avoir pour nous une telle fédération sur notre territoire, c'est aussi la reconnaissance du travail que nous entretenons avec le milieu du bâtiment au sens le plus large. Je vous remercie et maintenant je déclare ouvert le grand casse-croûte du bâtiment. C'est pas la parole la plus idiote, c'est de prononcer le plus vrai. Intitulé ma présentation à l'avatar numérique, puisque c'est la possibilité de valoriser les éléments d'information issus du processus de conception, réalisation, exploitation. Alors quand je dis les valoriser, ça veut dire qu'il faut aussi les traiter, les traduire et passer à travers toute une chaîne de validation de la qualité de l'information. Ce n'est pas parce que vous avez réalisé une maquette numérique de conception qu'elle a la moindre valeur. Par contre, si effectivement cette maquette est traduite et enrichie d'éléments utiles aux autres acteurs, elle aura de la valeur. On va donc aborder la maquette, mais les tablettes, smartphones, drones, impression 3D, enfin tous les nouveaux outils qui révolutionnent la construction et font évoluer les pratiques professionnelles. Des nouvelles technologies qui créent plus d'autonomie, qui contribuent à augmenter la productivité des acteurs du bâtiment et à faire émerger de nouveaux marchés. Avec nos deux intervenants, nous allons découvrir ces solutions et ces opportunités. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour construire une petite notoriété sur un marché qui est plutôt niche. Et souvent, les économistes nous disent, si on vous avait connu avant, on aurait répondu à pas mal de projets. Donc voilà, on est là pour ça et on a été agréablement surpris. Hier soir, on a fait le repas d'accueil avec les économistes. On a été frappé par la confraternité
de cette communauté d'économistes et c'est assez plaisant. Et je pense qu'on sera à Lille. On sera à Lille l'année prochaine. On essaye de se créer un lien assez étroit avec eux, puisque justement, ils sont quand même assez prédominants sur notre marché. Et ils permettent de nous mettre en lien avec les architectes et les clients finaux. C'est une première démarche que l'on fait et on estime que l'Intec est une passerelle assez importante pour ça. Et donc pour nous, c'est vraiment un bon moment pour faire passer les bons messages de nos nouveaux produits liés aux contraintes, aux exigences réglementaires. Notre présence au salon Intec, au salon de la prescription, est une évidence depuis maintenant quelques années. Nous suivons justement les économistes de près pour parler technique avec eux, préparer les projets pour demain pour que tous les intervenants qui gravitent autour de ces futurs bâtiments soient satisfaits de leurs ouvrages. Saint-Gobain s'est investi depuis des années avec l'Intec. C'est presque une histoire d'amour. Alors, je dirais quelque part, le vrai fond de cette histoire, c'est que l'économiste, le métier d'économiste, par rapport à ce que ça représente aujourd'hui dans la filière construction, est un acteur majeur pour Saint-Gobain. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, un, on travaille de façon fondamentale avec tous les acteurs de la filière et les économistes, et que surtout aujourd'hui, on a envie de développer encore plus toutes nos activités. On est très liés et le partenariat qui concerne Saint-Gobain, ses sociétés et les économistes correspond à un vrai besoin, et aujourd'hui on a envie de provoquer encore plus ce monde de l'économie pour avancer pour le marché de demain. Quelle est votre réaction face à ce qu'on vient d'entendre? Toute cette nouvelle économie provoque de nombreux changements pour les travailleurs indépendants, positifs, négatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel bienfait vous voyez déjà peut-être? Je pense que l'avènement du numérique, ce n'est pas une évolution, c'est une véritable révolution. Ce n'est pas non plus une option, c'est une obligation. Ça veut dire par là que, de toute façon, quoi qu'on fasse, l'évolution, elle est là, elle est irrémédiable. Et donc, il faut autant que faire que se peut ne pas la subir, mais l'anticiper et l'accompagner. Le salon de la prescription et le congrès de l'Intec, le 44e congrès de l'Intec, va s'achever. Alors, les enjeux du salon, c'est une vitrine au niveau national de notre métier, de notre fonction d'économiste de la construction. C'est un support de ligne éditoriale pendant toute l'année. Et donc, cet éditorial qui consiste à dire numérique, deux points, quelle transition au pluriel, justifie que nous ayons mis en œuvre différents partenariats avec notamment les nouvelles technologies et bien entendu le fait de pouvoir échanger avec tous les professionnels du monde de la construction et bien sûr nos amis industriels. Et puis il faut avouer aussi que cette bonne humeur qui caractérise le partenariat entre les industriels et les économistes est toujours au rendez-vous et se renforce d'année en année. Écoutez, c'est une vraie joie. Un vrai plaisir, un vrai bonheur de partager ces moments, ces émotions, et puis bien sûr, tout le temps, voir devant, voir plus loin. Je passe le relais pour le futur congrès 2017 et le 21e salon de la prescription à ma chère Catherine, que j'adore, et que Lille soit une grande réussite. Welcome to Lille, France 2017.